Morgen, alle Yidden, les autres aujourd'hui, le Nishmat, Mongre, Bishmoel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin, Ben Mazal, et ainsi que le Fouat, Sarah, Bat Beti Rivka, Rafael Zulon, Ben Chayam, Aliyah, Myriam, Bat Chassir, Bator, Chakon Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sarah Troulin, Perek Bet, Mishnah Zayin. Achochet, la Nochri, Shritato Kshera, Rabbi Eliezer, Posel, Amar Rabbi Eliezer, Afilou Shrata, Sheyochal, la Nochri, Mechatzar, Kaved Shela, Psula, שסתם עכשיו את נוכרי לעבודה זרה. אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים. ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים, אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. Introduction d'abord, une petite halakha à connaître, c'est que si on égorge, si on fait la shrita d'un animal avec intention de le faire en avodah zara, d'offrir cet animal pour telle divinité de avodah zara, de telle idole, eh bien l'animal est interdit à la consommation. D'accord ? Il a été interdit. Même mieux que ça. Si j'égorge l'animal, si pas moi, si un rachat il égorge l'animal, il fait la shrita à l'animal, en pensant juste à offrir un petit bout du pied à la avodah zara et à manger tout le reste. Eh bien, à cause de cette intention, toute la shrita, elle a été invalidée et l'animal, il n'est plus kasher à la consommation. Maintenant, on peut commencer directement à la Mishnah. Ashochet la nochri shritato kshera. Tanakama pense, dit que celui qui fait la shrita d'un animal qui appartient à un goy, eh bien, la shrita, elle est kshera, il n'y a aucun problème. Tu avais la vache, la petite chèvre de Monsieur Seguin, tu l'as pris. Il t'a demandé de la... Ça y est, elle a vieilli, la petite chèvre de monsieur Seguin, il faut la... Ça y est, on l'amène à l'abattoir. Et aussi déjà, il va faire profiter un bon juif. Eh bien, il demande au juif, tiens, fais la shrita, si elle est kshera, on va la vendre ensuite aux juifs. Il n'y a aucun problème, parce que la bête appartient à un goy, on peut l'égorger et la consommer. D'accord ? Encore une fois, à shochet la nochri, celui qui fait la shrita d'un animal pour un goy, shrita to kshera, la shrita, elle est permise. Eh bien, Rabbi Eliezer possède, Rabbi Eliezer invalide cette shrita parce que ça appartient au goy. Et quel est le problème que ça appartient au goy? Alors tout de suite, il s'explique. Amar Rabbi Eliezer a dit, Afilu shrita shiyochal anochri mechatzar kaved shela. Même si il l'a égorgé pour que le goy consomme de cet animal même mechatzar kaved shela. C'est un petit bout qui est la petite pointe du foie. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit. Le chatzar kaved, shela, yoter ta kaved. Je ne sais pas c'est quoi exactement le foie, le pancréas peut-être. J'imagine quelque chose comme ça, c'est le chatzar kaved. Eh bien, yoter ta kaved. Ok, bon. En tout cas, le but de la Mishnah nous dit, même si tu l'as égorgé pour que le goy a l'intention que c'est les juifs qui vont la consommer, mais lui, il s'est réservé un petit bout du foie ou du pancréas ou quelque chose comme ça, eh bien, psula, malgré tout, la shrita sera invalidée. Et pour quelle raison? Shestam marchevet nochri la avodazara. Étant donné que l'intention du goy, elle est naturellement pour la avodazara. C'est-à-dire, quand tu as fait la shrita et que tu as voulu laisser un petit bout pour le goy, lui, l'intention du goy, on craint, et c'est même sûr, même quasiment sûr, l'intention du goy, il est de prendre ce petit bout de viande et de l'offrir ensuite pour la avodah zara. Il a une intention de le faire, en tout cas, en l'honneur de la avodah zara. Donc, tu as fait une shrita de avodah zara. Même si toi, tu penses bien faire, tu penses faire ta mitzvah, tu as fait la bracha comme il fallait, tu as vérifié le couteau et tout ça, eh bien, mon cher ami, tu as fait un korban de avodah zara. Pourquoi? Parce que le goy, qui est le propriétaire de l'animal, il a eu l'intention de sacrer et consacrer un bout de cette chair-là pour sa avodah zara, donc c'est une shrita de avodah zara. Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Et la halakha, bien sûr, ne va pas être établie comme Rabbi Eliezer. Pour quelle raison? Parce que Amar Rabbi Yossi enseignait. Non, Kalva Chomer Davarim. On peut le déduire par a fortiori qu'il n'y a aucune raison d'interdire cet animal. Ou Mabim Kom Shamar Shava Poselet Bamugdashin En Hakol Olech Ela Achara Oved. Il va nous faire un Kalva Chomer. Regarde. Dans l'endroit le plus strict, sévère, qui est dans les Mugdashim, dans les Korbanotes. Et on va expliquer pourquoi c'est beaucoup plus sévère. Vous comprenez qu'en tout cas, les Kochim, c'est beaucoup plus. La Shrita des Kochim, elle est beaucoup plus sévère que la Shrita des Khulin.
des animaux profanes pour la consommation des hommes. On est beaucoup plus rigoureux, comme ce qu'on va voir pourquoi. En tout cas, là-bas, on a comme règle que l'intention qui est invalide, elle ne concerne que celui qui fait le service concrètement. C'est-à-dire, donc on a pris Svachim, on s'en rappelle encore comme c'était hier, Chutzlismano, Chutzlimkomo, toutes sortes de mauvaises intentions qui font que l'animal est invalidé. Si j'ai l'intention de le consommer au-delà des limites de temps et d'espace permises, si j'ai l'intention de le gorger pour autre chose. Et toutes ces lois ne concernent que celui qui fait la avoda, que celui qui va soit égorger le sang, soit le réceptionner, soit l'amener vers le misbéach, soit l'asperger sur le misbéach. Si moi je suis Cohen et je vais asperger le sang avec intention de consommer le corban au-delà des limites de temps, là, on va rendre le corban pigoul. Il va être répugné, rebuté, et donc là, il va être invalidé. Mais si moi, le Cohen, je travaille bien, mais le propriétaire, lui, il a l'intention de manger ce corban en 3 jours, donc une mauvaise intention, eh bien le corban n'a pas été invalidé par cela. Il y a comme règle dans les kochim que c'est que celui qui fait la avoda, qui fait le service, seulement lui est apte à invalider le korban et non le propriétaire. Et ça, c'est dans là où tu es très mahmir, où tu es très méticuleux sur toutes sortes de halakhot qui sont dans les kochim. Et malgré tout, le propriétaire n'invalide pas si toutefois c'est pas lui qui passe à l'acte. Alors dans ce cas-là, makom shen marshava pour salat bechulin. Pour les chulin, pour ce qui est les consommations profanes, où l'intention n'invalide pas, et on va expliquer exactement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est moins strict, puisque l'intention invalide moins, en tout cas. Et nous dit, « Shelo yehe akol olech ela achara shochet » N'est-ce pas plus forte raison que le seul apte à invalider la shrita ne peut être que celui qui va faire la shrita, qui va abattre l'animal, mais pas le propriétaire. C'est-à-dire de manière très simple, vous avez compris le principe. Les kochim, c'est là où on est le plus rigoureux. Et malgré tout, il n'y a que celui qui fait la avoda qui peut invalider le korban avec sa mauvaise intention, et non le propriétaire. Donc dans les shritot, des abattages des animaux pour consommation personnelle, des hommes, quoi, profanes, alors plus forte raison que si toutefois tu vas te retrouver dans une situation où l'intention mauvaise, invalide, ça ne va concerner que celui qui fait la shrita. Donc, selon Rabbi aussi, si toutefois on veut se retrouver avec un korban qui est invalidé à cause de la avodah zara, il faut nécessairement que ce soit celui qui égorge qui a eu l'intention de le faire pour la avodah zara. Voilà la Mishnah. Pour plus de précision, vous pouvez constater qu'il y a un très long bartanoa, parce que le bartan, la Gemara, elle peine en fait à comprendre précisément en quoi, Bidiouk, sur quoi exactement tu compares la marchava, la mauvaise intention dans les kochim et dans les chulin. C'est-à-dire, je vous donne directement la solution, ça ira plus vite. Concrètement, dans les kochim, vous savez bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous ai rappelé Zvachim, on avait appris qu'il y a 4 avodot, 4 rituels que l'on fait avec le sang. Depuis le moment où on égorge, après on réceptionne le sang, après on amène le sang sur le misbéach, après on asperge le sang sur le misbéach. On a 4 possibilités, 4 étapes où l'on peut invalider le korban avec une mauvaise intention. Si toutefois j'ai égorgé avec intention de consommer au-delà des limites de temps, ou encore, plutôt, j'ai réceptionné le sang, ou j'ai simplement apporté vers le misbéach le sang avec mauvaise intention, même cette petite marchava-là, cette petite intention invalide le korban. Alors que pour les consommations de avodah zara, l'intention qui est invalide ne concerne que 2 actions. Le moment où j'égorge, il y a marqué « Zoveach la Elohim yachoram bilti lachem levado » il y a un pasuk, on apprend « Zvicha », ça veut dire « égorger ». Ou encore, lorsqu'on asperge le sang, « Valasir et niskem midam » Valasir niskem midam, comme ça c'est rapporté dans le Bartanoa, le Debsouki, ça c'est écrit dans Tehilim. Donc concrètement, la mauvaise intention en dehors des kochim, on remarque que l'intention peut invalider juste sur 2 actions uniquement, égorger ou asperger au nom de la avodah zara. C'est les 2 moments pour invalider le korban. Mais si toutefois on a égorgé le korban parfaitement, mais qu'après on s'est mis à transporter le sang vers l'autel du misbéach avec l'intention de faire un korban de avodah zara, le misbéach de avodah zara, quoi, je l'ai transporté, mais finalement j'ai plus aspergé le sang en guise de avodah zara, et bien l'animal ne sera pas, on n'aura pas transgressé l'interdit de avodah zara. Chas v'shalom, pendant quelques instants, tu as cru que tu allais faire un interdit, mais tu n'as pas fait l'interdit, tu n'as pas fait de service. Parce que pour la avodah zara, il y a juste 2 services qui invalident, la shrita ou l'aspersion. Donc tu remarques que finalement,
on était beaucoup plus rigoureux pour ce qui est Kadosh que pour ce qui est Avodah Zara. Kadosh, il y a quatre étapes où là-bas, on t'attend au tournant que tu ne fasses pas de faux pas. Tandis que dans l'Avodah Zara, il y a juste deux Avodot, la Shrita et la Zrika, le moment où tu égorges, le moment où tu asperges. Donc regarde que déjà, on est beaucoup moins rigoureux, on est moins rigoureux sur l'Avodah Zara. Donc de ce fait, même lorsqu'on a été très rigoureux pour les Korbanot, on a dit que l'intention n'invalide que pour celui qui fait le service et pas pour le propriétaire, donc à plus forte raison pour l'Avodah Zara. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de Aslacha Kol Tov Salam.